surrounded by snow and nothing to drink. Bonjour et bienvenue. Alors, on va passer un petit moment à vous expliquer ce qui s'est passé et je crois que je vais limite genre quitter et recharger la partie parce que je vais passer un petit moment, donc on va sûrement passer une dizaine de minutes à expliquer pourquoi on est là, ce qui s'est passé entre temps, etc., etc. Ah, donc si vous regardez la playlist, les derniers épisodes, donc les trois derniers épisodes en fait ont été faits après la mise à jour, donc Frontier Cooking, avec ça. Donc voilà, tous les rajouts et tout ça. Il y a aussi la pêche. La pêche, honnêtement, ça reste un peu bof. Mais bon, enfin, c'est plus facile, on va dire, maintenant, quand même, de pêcher. Mais bon, ça reste un peu bof. Et les derniers, derniers épisodes, ils étaient salés. Et oui, parce que le jeu était bourré de bugs d'une force incommensurable. C'était limite injouable. Et j'ai même, je crois que le dernier épisode, j'ai même quitté très vite parce que ça m'énervait. Et il y avait pas mal de problèmes, il y avait pas mal de problèmes, on va dire. Donc on était à 1000 tonnes à cette époque-là, on était à 1000 tonnes. Donc on avait fini la tour à 1000 tonnes, on avait récupéré, enfin trouvé le bunker aussi à la rivière calme. Notre personnage a mué. Entre-temps, enfin voilà, c'était un bordel monstre. Mais on a fait notre mission, c'est le point principal. On a fait notre mission à la rivière calme, c'est cool. Maintenant, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que... à peu près 8-9 jours après, il y a eu des fixes qui n'ont pas tout fixé, évidemment, parce que c'est Interland, comme d'habitude. Mais il y a eu des fixes. Maintenant, c'est un peu plus jouable, c'est un peu mieux, un peu plus stable. Et votre perso risque pas de changer de sexe en cours de partie non plus. Donc, ça va. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai fait des streams, en fait, pendant cette époque-là. Donc, si vous regardez la playlist, normalement, tout est impeccablement dans l'ordre, c'est-à-dire que vous avez les épisodes. Après, s'il y a des grosses mises à jour, parce que encore une fois, cette saison est un peu spéciale pour moi, parce que j'en ai fait plein d'autres, hein, des saisons de The Long Dark, et à chaque fois, c'est juste des épisodes, on fait des aventures, basta, et voilà. Là, c'est spécial, parce qu'on a un DLC, et à chaque fois, ils rajoutent des nouvelles choses, comme par exemple la nourriture et tout ça. Vous voyez, elle est très très belle, hein, la nourriture. Hein. Regardez l'état. C'est bon à 0%, ça aussi, on va en parler. Vous voyez, ça, c'est encore aussi un bug qui n'a pas été corrigé, par exemple. Ah, donc voilà, donc vous voyez que en fait dans la playlist il y a beaucoup de choses, il y a des fois des petites vidéos pour vous montrer en fait les rajouts, certaines pour vous montrer les problèmes, beaucoup en ce moment, et après il y a les streams, donc il y a les streams, des fois c'est, honnêtement c'est beaucoup d'heures, et je suis content de faire ça en stream, parce que bon, bah, des fois ça intéresse les gens de voir de la farm et de pouvoir discuter avec moi pendant qu'on, en temps réel quoi, pendant qu'on joue à The Long Dark et tout ça, c'est plutôt cool, mais... Quand vous regardez les heures, j'ai dû passer au moins une dizaine d'heures en stream, en fait. Alors qu'en stream, on a fait un peu le tour de Milton. On est rentré après au lac Mystère. Après, on est repassé par l'autoroute côtière et le site de désolation. Honnêtement, ces deux zones, on n'est pas resté très longtemps. Parce qu'on a fait très vite le tour et on n'a rien trouvé. Encore une fois, ça c'est encore un problème de rajout d'objets en fait dans les sauvegardes existantes. Beaucoup de gens ont des problèmes par rapport à ça. Moi pareil, je vais encore expliquer ça vite fait après. Excusez-moi, attendez, je bois un coup. Et du coup, en fait, il n'y avait pas grand-chose. Le plus d'objets qu'on ait trouvé, au final, c'était un peu Hamilton. Et c'était surtout au lac Mystère. C'est un peu étrange, mais c'était surtout au lac Mystère. Donc tout ce qui est... sel, farine, l'huile, etc., etc. Donc j'ai pu faire un peu à manger, je vais un peu vous montrer ce que j'ai fait. Ah, donc voilà, mais sinon après toute mon épopée en gros, où je revais sur des anciennes zones et tout ça, c'est tout en stream, et il y a genre facilement plus de 10 heures de jeu en fait. Donc je pourrais pas mettre ça en épisode, parce que sinon ça serait juste des allers-retours sans cesse de la farm, c'est pas vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que ça restera en stream, ces choses-là. Mais après, tout ce qui est découverte, et aujourd'hui on va commencer notre découverte, on va aller à la crique lugubre, mais il faut que je fasse un petit résumé de ce qui s'est passé évidemment. Donc voilà, on va faire la crique lugubre dans cet épisode. Donc les épisodes seront des aventures. Donc pour vous dire, donc j'ai toutes les recettes, j'ai utilisé un mod et une commande pour toutes les avoir. Pourquoi, évidemment, parce que j'ai bien sûr expliqué ça plusieurs fois dans des vidéos. Je suis allé au site de la désolation et à Milton aussi, il n'y avait rien. Donc site de la désolation pour avoir une recette en particulière, parce qu'elle était vraiment... Bon, j'étais à côté aussi, mais elle était vraiment bien, c'est celle-là. Et en fait, elle n'était pas.
C'était au phare et tout ça, ça y était pas. Beaucoup de gens, après je suis allé regarder sur Steam, énormément de gens ont des problèmes avec les recettes en fait, sur les parties existantes déjà. Donc depuis qu'ils ont rajouté les recettes, y en, certains ont certaines recettes, certains ils en ont pas du tout, certains ils ont les nouveaux oiseaux, certains ils en ont pas du tout. Nous encore heureux qu'on a les oiseaux et on a quand même pas mal de petits, de petits morceaux d'objets en fait qu'on trouve, genre la farine, les trucs comme ça. Donc j'ai pu faire des nouveaux aliments, j'ai pu les faire quand même. Mais on en a pas beaucoup, mais pour les recettes c'était impossible. Les recettes, j'ai regardé plusieurs endroits où elles pouvaient être et tout ça, et j'ai vu qu'en fait j'avais tout simplement pas de recettes. Donc j'ai décidé d'utiliser des mods et tout ça. J'ai même une vidéo pour ça si vous voulez regarder. C'est tout dans la playlist, je crois, celle-là, je sais plus. Ah, peut-être que celle-là elle est dans la playlist des mods, peut-être, à la limite. Je sais pas, faudrait que je la mette dans la playlist du jeu en lui-même. Enfin, de notre saison. Donc voilà. Donc, du coup, on va parler vite fait des nourritures et ce que j'en pense, parce que maintenant je peux un peu mieux vous en parler rapidement. Donc les bouillons, à ce moment-là, comme j'ai dit, il y a eu des fixes, mais le jeu n'a pas été fixé complètement, il y a toujours des exploitations. Par exemple, les bouillons, si vous en avez sur vous, en fait, quand vous en faites, vous allez les récupérer, donc les premiers vont être à 212, donc c'est x4, c'est par 4 les bouillons. Et si vous les gardez sur vous et que vous en faites en plus, à chaque fois ils vont augmenter. Donc j'ai testé tout ça, bon au final je les ai gardés, ils sont là. Donc on est arrivé à 332, voilà, on est à 332 de calories pour 1. Maintenant tout ça, on a 332 x 12, voilà, en calories. Et si je prends cela sur moi, en gros si je prends à chaque fois les plus élevés et que je continue d'en faire, en fait ça va augmenter à peu près de 25%, un truc comme ça. Et à chaque fois on peut aller extrêmement loin. Donc extrêmement simple en plus à faire, hein, les bouillons, vous n'avez même pas besoin de ça, de la poêle, vous pouvez faire ça dans les faitouts. Donc voilà, ça par exemple, ça n'a pas été fixé et tout. Il y a c'est des exploitations que même sans vouloir les faire, vous les faites en fait. C'est ça le pire, c'est qu'il faut faire, si vous ne voulez pas exploiter le jeu maintenant, il faut faire extrêmement attention à ce que vous faites, parce qu'il y a tellement de problèmes que tout devient des exploitations limite. Donc ça c'est une exploitation qui reste, qui est extrêmement simple à faire et que vous faites pas vraiment volontairement en fait. Il y a encore des trucs, il y a aussi des gens qui m'ont dit qu'ils ont pu monter genre cuisine niveau 5 directement en faisant de la cuisine et ils avaient annulé pour je sais pas quelle raison. Et du coup leur cuisine est montée au niveau 5 directement. Il y a plein de trucs qui restent encore qui est bancal. Mais bon, en tout cas j'ai fait quelques nourritures. Alors pour parler vite fait, donc maintenant j'ai décidé que... on allait transporter, je pense, une seule poêle à frire. On va arrêter de transporter donc les conserves. C'est un peu chiant parce que c'est quand même... les conserves, c'est 0,15, hein, c'est bien ça. Ouais, c'est 0,15. Donc ça fait 0,30 pour 2. Mais c'est vrai que la poêle à frire, du coup, ça devient intéressant. Parce que la poêle à frire, en fait, elle est, on va dire, en gros, les meilleurs aliments que vous pouvez faire avec la poêle à frire. Le faitout, c'est pas grand chose. Le faitout, à part le bouillon, en fait, c'est pas très très intéressant le reste. C'est pas extrêmement intéressant. C'est bien pour le nombre de calories, mais ça consomme en fait beaucoup de choses. Et ces choses-là, vous pouvez les utiliser pour des choses qui donnent de meilleurs buffs. En tout cas, c'est ce que je pense. Après, il y a tellement de choses différentes en fait. Peu importe vos choix. Si vous préférez faire autre chose, allez-y. Mais par exemple, là, nous avons les croquettes de poisson. Et ça, j'étais vraiment déçu de ne pas les avoir quand j'étais au phare. C'est pour ça que du coup, j'ai voulu faire le mod. Mais on a endurance max, poids transporté et mal de l'enfermement. On a ces trois trucs. On n'a aucun malus. 1 pour 312 de calories, ce qui est énorme, en plus c'est très très léger, et en plus c'est 0,21, mais en fait ça c'est x4, vous en faites 4 à chaque fois. Ça aussi c'est un problème, ils vous le disent pas, ils vous disent pas en fait combien vous en faites. Donc par exemple, pour le fait tous les bouillons, par exemple le bouillon c'est x4, après ça j'ai jamais fait donc je sais pas. Ça, les banniques, je crois que c'est par 2, c'est par 2, les petits pains là, c'est par 2, ça c'est par 4, les pancakes c'est par 1, les tartes, c'est par 2 aussi, si je dis pas de conneries. Et les tourtes, c'est par 3. Et après, tout ce qui est gros, ça c'est les grosses tourtes, ça c'est 1, ça c'est 1. Ça, je l'ai pas fait, c'est peut-être 2. Ça m'étonnerait, vu le nombre de calories, je pense que c'est 1.
Donc voilà, donc il y a des choses en fait vachement intéressantes par rapport au nombre que vous en faites. C'est ça le problème. Et dans le, comme je dis, c'est un problème parce qu'en fait on vous le dit pas dans le menu, dans ce menu-là. Donc ça c'est vraiment très embêtant. Donc du coup, il y a des choses qui deviennent intéressantes. Par exemple, avec 2 pommes de terre, une huile et 0,01 de sel, bien sûr il faut de la truite, vous faites en fait à chaque fois 4 pas croquettes de poisson avec ça. Et c'est vachement bien. Du coup, moi j'en avais fait plein, j'en ai 12 en tout. Donc 12 en tout, on a 12 fois 313 de calories pour 0,64 kg. Et à chaque fois, on pourrait avoir par exemple endurance max, donc augmenté. Et on a le poids transporté maximum, donc c'est 3 kg. Hein, donc on arriverait à 18 à chaque fois. On peut maintenir en fait le 18 honnêtement tout le temps, si jamais on fait assez de nourriture. Donc extrêmement bon ces croquettes, extrêmement puissantes. Donc très très bonne chose à faire, je pense. C'est pour ça que du coup, tout ce qui utilise les patates. Et bah du coup tout le reste c'est un peu de la merde. J'ai envie de dire, je vais être honnête, c'est un peu nul parce que vous avez des trucs qui utilisent des patates. Je l'ai vu tout à l'heure en plus. Mais du coup c'est pas vraiment intéressant. On est d'accord. Il y a quoi là? Par exemple, là c'est des pommes de terre, là aussi c'est beaucoup de calories et tout ça. Mais honnêtement, les autres choses c'est mieux en fait. Après vous avez ça, alors les pains c'est par deux, si je dis pas de bêtises, hein, comme j'ai dit. Donc ça c'est juste de l'huile, une fois de l'huile, et après des glands broyés. Honnêtement les glands broyés on en a pas mal. Surtout qu'ils ont corrigé le bug. Vous vous rappelez que quand on les mettait par terre, en fait, ils repassaient à 320. Maintenant non, ça y est, ils sont à 400 et ils restent à 400. Donc du coup j'en ai fait plusieurs et tout ça. J'ai pu broyer les anciens que j'avais qui étaient à 0 kg et tout ça, vous vous rappelez de ça. Donc du coup ça c'est bien. Je sais pas pourquoi je mange parce que je vais devoir recharger la partie, je passe tellement de temps. Donc ça c'est bien, ça c'est une bonne chose, donc très facile à faire du coup les glands broyés, et vous pouvez même les utiliser en tant que nourriture parce que ça se périme pas, évidemment. Ça se périme pas, c'est quand même très léger parce que là on a quasiment pour 2 kilos, on a 400 x 15. Donc très 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 bon, honnêtement c'est très très bon, très intéressant. C'est surtout pour les calories et le poids, hein, qui m'intéressent. Et après, il y a ça aussi. Donc ça, c'est pas mal aussi, parce que c'est 312 pour 0,05. Parce que 0,10, c'est pour les deux, en fait. Même le poids, en fait. Même le poids est mauvais. Parce que le poids, il vous montre le poids par deux, si je dis pas de conneries. Genre, par exemple, ils sont là. Donc ça, c'est le truc au gland. Après, je vais vous dire aussi pourquoi tout est à zéro. Vous voyez, c'est 0,05, 312. Donc extrêmement bon en fait pour se balader. Pourquoi? Me dis pas que tu veux pas te. Oh putain, ça veut pas se stacker! Oh non, j'avais dit que je gueulais pas. Non, la dernière fois j'ai trop gueulé dans l'épisode. Non, 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 je vais pas gueuler. Ça se stack plus. La merde ce jeu. Ça aussi, le problème de stackage, de stack, c'est un problème. Alors ça fait pas de pile en fait, ça s'empile pas. Ça s'empile si vous avez les mêmes pourcentages. Genre par exemple, quand vous en faites, par exemple, vous en faites sur deux poêles, vous en faites deux et deux, quatre. Le temps que les deux cuisent, vous avez le temps, vous pouvez les prendre dans l'inventaire. Donc ça va faire deux stacks, donc ça fait deux fois deux. Si vous en déposez deux par terre et que vous les ramassez, en fait, ça va les stacker. Comme ça, en gros. En gros, ça va faire ça. Parce que ça, quand vous faites des glands cuits, ça va pas stacker automatiquement. Il faut les mettre par terre et après les ramasser. Il va se produire exactement la même chose avec la nourriture. Sauf que. La nourriture, ça c'est le gros problème de la nourriture. Laissez tomber. Si vous n'êtes pas cooking, donc cuisine niveau 5, ne jamais faire ce genre de nourriture. Ça pourrit à une vitesse. Genre j'ai fait des trucs comme ça, genre des tourtes et tout ça, les grosses et tout. J'ai fait ça, j'ai dormi une journée, j'ai perdu 70%. Alors après, je me suis dit, tiens, il faut peut-être les mettre dehors et tout ça. Et je crois que c'est exactement la même chose, parce que moi je les avais laissés à l'intérieur. Ça a perdu 70% de qualité en une nuit. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Alors après, techniquement, moi ça me dérange pas parce que je ne peux pas être malade. Voilà, je ne peux pas être malade. Donc en théorie, je risque rien. Mais encore une fois, on ne sait pas si c'est pas buggé tous ces trucs, tout ça. Donc s'il faut, ça peut me rendre malade. Mais en théorie, ça devrait pas. Mais voilà, ça c'est le problème de la nourriture. Dans le jeu, encore une fois, c'est très mal pensé parce que dans le jeu, comme je vous ai expliqué depuis des années dans The Long Dark, si vous voulez être comme moi et avoir tout le temps genre des centaines et des centaines d'allumettes en rab alors que vous jouez en intrus, ce qu'il faut faire c'est par exemple vous allumez une torche, vous faites du feu. Et une fois que vous faites du feu, vous gardez votre feu très longtemps, genre une vingtaine d'heures en fait. Vous faites des réserves d'eau à foison.
Vous cuisez toute votre nourriture en fait d'un coup, comme ça en fait vous n'avez pas besoin de refaire un feu pendant genre plusieurs jours. Et c'est comme ça que vous avez énormément d'allumettes. Et c'est comme ça que le jeu en fait vous force à jouer, parce que les allumettes sont super rares et sont pas renouvelables surtout. Donc du coup, il faut faire des choses en gros stack en fait. Vous faites des gros batchs en fait de pain, vous faites des gros batchs de nourriture, de viande, etc. Mais bah, ça marche pas avec la nourriture comme ça, parce que tout pourrit extrêmement vite. Tout pourrit extrêmement vite. Et il y a aussi toujours un problème, par exemple, vous voyez que c'est froid, hein, tous ces aliments-là, c'est froid. Et on peut pas les réchauffer. On peut toujours pas les réchauffer. Donc ça aussi, c'est un problème. En théorie, on devrait pouvoir le faire, je dirais, en toute logique, mais apparemment, on peut pas. Donc je pense que ça aussi, c'est un problème qui va sûrement être fixé un jour ou pas. Mais voilà. Les pancakes, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont, la gueule que ça va avoir quand ils seront à 0%, honnêtement. J'attends que de ça. J'attends de voir ce que ça va être à 0%. Mais voilà, donc c'est ça le bon côté de la nourriture comme ça. Et le problème, c'est qu'il y a certains aliments qui sont vachement bien. Genre comme par exemple ça, c'est très 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 léger. Ça sent pas, on n'a pas d'odeur, rien du tout, il n'y a pas de problème. Très léger, beaucoup de calories. Techniquement, ça peut pas aller plus bas que 0%. Hein. Ce que j'allais dire, ça pourrit pas si, et extrêmement vite. Mais dans un sens, si vous avez cuisine 5, vous vous en foutez. Donc bon. Voilà, mais faites vraiment pas de nourriture sans être cuisine 5, parce que sinon ce serait. Alors déjà vous allez perdre en calories, donc c'est chiant. Mais de deux, ça sert strictement à rien d'avoir ça en fait de côté, hein, parce que sinon vous allez devenir malade et mourir. Alors après j'ai pour les nourritures qui sont intéressantes. Donc comme j'ai dit donc ça, parce que cela en fait c'est juste les versions améliorées avec plus de calories. Il faut juste des glands broyés de l'huile, alors que là il faut de l'huile et de la farine. Donc techniquement les glands il y en a beaucoup plus dans le monde que je dirais de la farine. Donc faites celui-là. Après comme j'ai dit croquettes de poisson extrêmement bien. Il faut de l'huile et deux pommes de terre par contre. La pomme de terre vous allez galérer à les trouver. En tout cas moi je galère à les trouver. J'en avais très peu. La truite, j'ai pu en pêcher avec la nouvelle façon de pêcher. Là, c'est très très aléatoire encore, le nouveau système de pêche. J'ai fait des pancakes. Ça, j'en ai pas parce que j'ai pas de pêche. J'ai fait ça. Alors, je vais être franc, c'est juste pour le kiff en fait d'en faire quelques-uns parce que j'avais du sirop d'érable, des glands et tout ça. Donc, j'en ai fait trois. Mais bon, ça, c'est pas vraiment le truc le plus important. Après. Encore une fois, niveau poids calorie, hein, toujours, hein, j'essaye toujours d'optimiser les choses et de vous dire. Hein. On est à quand même à 0,10 pour 900. C'est pas mal parce que quand on est plutôt dans les 1000 de calories, c'est plutôt 1 kilo, genre du gibier et tout ça, vous voyez? Donc là, on est quand même à 900 pour 0,10. Donc vous pouvez en prendre 3 sur vous. Vous avez quand même énormément de calories pour très 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 peu de poids. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc c'est ça que j'essaye hein, d'optimiser. Et bien sûr les buffs hein, évidemment. Après vous avez ça qui est très. Alors ça c'est un peu chiant à faire parce que c'est sirop de pêche. Par contre ça c'est plus facile à faire. Il faut farine et l'huile. Et après les sino c'est très simple à trouver. Hein. C'est les baies. Il faut pas par contre, il faut pas les préparer. Attention, il faut vraiment pas les préparer. Donc c'est pour ça que j'ai quasiment arrêté de tout préparer en avance. Vous vous rappelez des fois je disais faites ça quand vous avez genre 10-20 minutes et tout ça, genre préparez vos trucs. Bah maintenant je suis obligé, ça faire 5 ans que je dis ça. Maintenant il faut que je dise à chaque fois non, préparez rien, touchez rien. Donc voilà, j'en ai plein pas préparé. Là j'en ai plein aussi pas préparé. Pareil pour les glands parce que ça peut faire des hameçons et tout ça. Donc voilà, préparez plus rien honnêtement dans votre jeu. C'est chiant mais c'est comme ça. Donc ça aussi c'est pas mal. J'en ai quelques-uns, ils sont juste là. Vous les voyez. Sur la table. Donc ça c'est bien, ça enlève de la fatigue, ça augmente de 15% je crois votre endurance. Donc en gros c'est un peu comme le café, sauf que le café bah, c'est difficile à faire en fait le café. Il faut des boîtes de café et ça fait une tasse en fait. Enfin ça fait 5 tasses pardon en tout, mais à chaque fois c'est genre les 5, c'est 5 tasses quoi qui est disponible. Donc c'est très peu, c'est très très peu. Alors que là bah, du coup vous pouvez en faire beaucoup. Moi je sais que j'en ai pas mal maintenant. Voilà, j'en ai autant. Donc en théorie, je peux rester éveillé pendant, je sais pas, peut-être 2 jours en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment très intéressant ça, et honnêtement, comme j'ai dit, facile à faire. Après, vous avez les tourtes.
Alors, les meilleures tourtes, bien sûr, c'est celles au gibier, parce que c'est celles avec le plus de calories possible. Et c'est celles qui vous donnent donc poids transporté maximum, donc plus 3 kilos. Après, honnêtement, je vais être franc, est-ce que 3 kilos, c'est intéressant? Franchement, non. Normalement, c'est pas intéressant, 3 kilos. Par contre, un truc qui peut être intéressant, c'est si vous devez prendre une corde. Vous savez que si vous dépassez le poids maximum, donc je suis à 45, par exemple, 0,01, ben, je peux pas prendre la corde. Le personnage, en fait, refuse de prendre la corde. Donc, avec les 3 kilos, à la limite, ça peut être intéressant. C'est ça qui peut être intéressant. Donc voilà. Et c'est assez simple à faire. Donc, une huile et un peu de farine. Très, très sympa. Et après, c'est du gibier, évidemment. Et après, pour les gros trucs, faut que je boive encore, moi. Excusez-moi. Après, pour les grosses choses, on a la tourte d'équerre. Je sais pas combien. Je pense que ça doit être par un, ça. Mais le problème, c'est que ça utilise des pommes de terre, en fait. Alors, évidemment, ça fait état maximum et état. Donc, en fait, vous allez. Alors, je pense que c'est comme la tisane. En gros, ça va vous donner un régène. Et là, vous allez gagner de la vie en plus. Donc, comme ce qu'on a nous, hein, par exemple, le petit morceau bleu là. Après, bon, mal de l'enfermement, on s'en fout un peu. Par contre, l'endurance max, ça c'est chiant. Mais le problème, c'est que ça prend, voilà, 2 pommes de terre. Après, les poissons, honnêtement, bon, c'est un peu aléatoire de récupérer les types de poissons comme ça. Genre les saumons argentés et les sébasses, c'est très aléatoire. Mais le problème, c'est 2 pommes de terre. Honnêtement, pour 2 pommes de terre, faites ça. Faites les croquettes, c'est nettement mieux. Après, moi, j'ai fait une tourte. Enfin, j'en ai fait même 2. C'était vraiment juste pour le kiff de les faire, parce que j'avais de l'ours et du loup. Ça demande pas énormément de choses, ça va. Mais encore une fois, c'est pas les meilleurs boeufs, je dirais. Bon, après, c'est pas très lourd. 0,30 pour 2000 calories. Donc, comme je vous ai dit, 1000 calories, c'est à peu près 1 kilo en général, hein, bien sûr. Si vous êtes cuisine niveau 5, c'est même un peu plus des fois. Hein. Si vous faites cuire par exemple de l'ours ou de l'élan, vous avez 1125 ou des trucs comme ça. Mais là, voilà, on est à 2000 calories pour 0,30. Encore une fois, c'est très très bon. C'est très très bon niveau calories et poids. Et pour finir, on a ça, je ne l'ai pas fait. Donc ça, il faut des racines, du reishi, des glands. Après, il faut l'huile et le sel. Je ne l'ai pas fait, ça, parce que ça m'intéresse pas des masses. En fait, les bonus ne m'intéressent pas des masses. Faudrait voir combien on en fait. Si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Je pense que ça serait 2, peut-être. Si c'est 2, honnêtement, ça serait vraiment bien. Si c'est 1, c'est pas très très intéressant. Mais si c'est par 2, ça serait vraiment intéressant. Parce que ça, quand même, ça demande des racines et tout. Les racines sont quand même assez rares. Je vais être franc, les racines de bardane. Et après on a ça, c'est avec donc de l'oiseau, du lapin et du gibier. Farine et de l'huile. Hein, farine et l'huile, hein, ça revient énormément. Donc si vous voyez de la farine et l'huile, vous le gardez. Donc plus de vie. Endurance max en moins. Fatigue, moins de fatigue. Ouais, 2125 de calories pour 0,20. Ça vaut le coup, ça aussi. Ça vaut le coup. Je sais pas laquelle vaut le mieux le coup, en fait. Ah, elles font pas la même chose, en fait. Ça, c'est pour de la vie et rester éveillé. Ça, c'est pour de l'endurance et un meilleur repos. Je sais pas, les deux sont pas mal. Par contre, ça demande de l'huile à chaque fois. Ouais, les gros trucs, à la limite, je dirais, c'est assez intéressant au final. C'est intéressant. En gros, je vais résumer. Si vous voulez utiliser de la nourriture comme ça, comme j'ai fait là, qui pèse pas vraiment lourd. En fait, c'est parce que vous voulez aller à des endroits qui ont des cordes, je dirais. Par exemple, si vous voulez aller à Milton et que vous êtes super loin de votre camp, techniquement, vous allez faire des pauses, en fait. Techniquement, vous allez faire des pauses. Vous n'allez pas faire, par exemple, du site de désolation jusqu'à Milton en une fois. Vous allez faire des pauses, vous allez devoir chasser, manger et tout ça. Mais on va dire que si vous voulez pas trop vous prendre la tête et pas chasser et tout ça et être quand même léger, utilisez de la nourriture d'ici. Donc ouais. Je pense que c'est une bonne chose pour ça. Donc ouais. En tout cas, maintenant je vais faire une pause. Ça va faire une vingtaine de minutes que je parle de nourriture. On va faire une pause, on va se préparer. Et nous, on va aller donc à la crique. Aussi, moi j'ai. Est-ce que. Oui, il faut que je répare aussi mon sac de couchage.
On va aller à la crypte, donc j'ai quelques fusées nautiques, on va s'équiper et tout ça. Normalement, j'ai déjà pas mal de choses sur moi, je m'étais plus ou moins équipé. Pour ce qui est donc de notre petite aventure, donc nous sommes ici, donc enquêter sur le signal de la crypte lugubre. Et après, on a aussi une nouvelle... alors j'ai trouvé une nouvelle tour en revenant en fait, c'était en stream et après en revenant, c'est ça. Site de désolation, le transmetteur couvre les régions du site de désolation et de l'autoroute côtière, donc ça c'est intéressant. Donc par contre ça on n'en a pas besoin en fait, on n'a pas besoin de les faire ces tours là je crois, pour l'histoire en tout cas. Mais en gros, si je vous montre où c'était, donc... Autoroute côtière, non. Et sinon, site de désolation, voilà, c'est là. Donc ici il y a la tour. Donc je suis tombé à côté en fait quand je suis allé là, je crois, jusqu'en stream, je me suis baladé ici en fait. Et après en revenant sur le chemin pour revenir au lac mystère, j'ai vu que bah, y avait une sorte de transformateur en fait, et y avait une tour. Je me suis dit, est-ce que c'est une tour qu'on peut utiliser? Puis au final oui, on pouvait avoir une animation et tout dessus. Et je sais que à l'autoroute côtière j'ai déjà des fusibles et des câbles, donc il me faut plus juste une batterie en fait. Et la batterie, du coup, bah, je ne l'ai jamais descendue, en fait, celle de Milton, donc elle est à Milton. Donc, du coup, un jour, je repartirai à Milton pour récupérer la batterie, et on ira aussi de désolation pour activer l'antenne. Mais voilà, donc nous allons partir à la crique lugubre. On va passer par le ravin, j'ai déjà mis une corde et tout ça, je l'avais trouvé en stream et tout. Donc j'ai placé la corde, donc on va descendre le long du ravin et on va arriver en hauteur de la crique lugubre. Je crois que c'est à peu près par là ou un truc comme ça. Donc on va récupérer le code et tout ça. Alors la crique lugubre est quand même très grande, elle n'est pas très simple à manœuvrer parce qu'elle est compliquée en fait, la zone est compliquée. Mais on va rester sûrement un petit moment là-bas. Donc ouais, on va faire ça. Je me prépare, à tout de suite. Et nous sommes de retour, on est parti. J'ai simplement réparé mon sac de couchage en fait. J'ai pris un peu d'eau, j'ai pris 3 de ça. Ça fait poids plus 3%, 3 kilos pardon. On va déposer ça parce que j'étais en train de le manger en fait, le poisson. Les truites arc-en-ciel, j'en avais plein. Honnêtement, les truites arc-en-ciel donnent... Enfin, tous les poissons en général, ils donnent tellement très peu de carburant. Je suis un peu déçu de ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc on va faire ça. Ça, on va le garder. Et on va prendre... Pourquoi on sent la barbaque? What? Oh putain, t'es sérieux? Oh! La tourte au gibier, c'est considéré comme de la viande, en fait. Oh mon dieu. Putain, je te déteste, Interland. Ah. Bon, et puis, merde. Un truc qu'on va faire, par contre, c'est réchauffer du... On va faire ça. Ah là là, je savais pas. Honnêtement, je savais pas. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit que normalement, ça doit dépendre en fait de la nourriture. Mais apparemment, c'est considéré comme un le. Perfect. Le ça là, là, pour la nourriture, pour l'odeur en fait. Aïe, 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 aïe. Potable, eau potable, on va déposer ça. Et dans 3 minutes. Est-ce qu'on en fait cuire un autre? À la limite, ouais. Voilà, très bien, et on va boire celui-là. C'est parti. Donc du coup, direction le ravin. Ah, je suis dégoûté là. Là, j'avoue que je suis très dégoûté. Pour l'odeur là.
Donc du coup, en gros, si vous êtes, si vous prenez ça sur vous, bah, il faut faire attention. Il faudrait pas prendre trop de nourriture en fait. Enfin, tout ce qui est viande en tout cas. Parce que comme d'habitude, à chaque fois, comme je vous dis, hein, je pars tout le temps avec 2 steaks. Donc en gros, c'est 2 kilos. Et après, on les mange petit à petit. Et une fois qu'on est arrivé sur place, en fait, on commence à chasser. Bah là, ouais, non. Là c'est un problème d'avoir pris les petits pains, là. En plus. Après, je me demande si... Ouais, mais c'est des tourtes aussi, hein, je crois. Est-ce qu'il n'y aurait pas de... Ah oui, non, peut-être les petits pains... Non, c'est pas des pains, c'est des croquettes de patates, là. Peut-être ça, ça a pas d'odeur. Et ça, ça donne aussi plus 3 kilos, je crois. Donc, à la limite, je crois que c'est vraiment la nourriture la plus intéressante, c'est ça. C'est les croquettes, en fait, de pommes de terre, là. Déjà, 2 pommes de terre, vous en faites 4. Et ça donne de l'endurance, des kilos. C'est bien ça, hein. Ah non, c'est bien ça. Poids transporté, endurance. Ouais. Je crois que ça, c'est le meilleur, en fait, que vous pouvez faire. Et ça, en théorie, il n'y a pas de viande dedans. Ah si, il y a de la truite. Mmh. Ouais, il y a de la truite dedans. Après, le problème, c'est que... Est-ce que... Genre, comment c'est compté? Parce que là, les objets, en fait, ne se stackent plus ensemble. Donc du coup, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois, un va compter comme de l'odeur ou pas? Vous voyez, il y a tellement de problèmes encore dans le jeu. C'est vraiment très très fatigant. Il y a quand même beaucoup beaucoup de problèmes. Comme j'ai dit, maintenant c'est un peu plus... C'est beaucoup plus jouable en fait qu'avant. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes depuis le... Depuis le rajout de la nourriture. Là. Énormément de problèmes. On a une corde à prendre. Elle n'est pas très grande. Non. Ça me fait plaisir de repartir en aventure, mais j'ai toujours à en... dans la tête que on va avoir des problèmes quoi. En tout cas aussi pour les flèches, j'en ai pris 4 de plus, donc j'ai 15 flèches en tout, 15 ou 16 flèches, parce que on va trouver, du coup on va rencontrer des loups gris. Donc ça va être la première fois qu'on rencontre des loups gris dans cette saison là. Donc les loups gris, pour ceux qui savent pas, ce sont des loups qui combattent en meute. Et en fait, qui vont venir sur vous tous en même temps. Et attendez. Et ils vont pas vous sauter dessus comme d'habitude, comme on connaît en fait. Ils vont pas vous sauter dessus avec l'animation et tout ça, et vous devez vous débattre et tout ça. Non, ils font pas ça. Eux, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont vous traverser. Ils vont vous foncer dessus, vous traverser et vous faire mal. La plupart du temps, ils vous font. Putain, j'arrive plus à enchaîner les mots. Ils vous font une morsure, des fois c'est des déchirures aussi, ça peut être des déchirures. Donc ça peut être très problématique, mais il y en a au moins minimum 4-5, je dirais, ça peut monter beaucoup plus, qui vous tournent autour en fait. Donc très dangereux si vous n'êtes pas équipé. La seule chose qui leur fait peur, ce sont les fusées nautiques, donc les bleues, c'est pour ça que j'en ai pris 2. Elles sont extrêmement lourdes, 0,25 pour l'une. Par contre, elles durent vraiment pas longtemps aussi. Donc ça, c'est un problème. Donc il faut faire très attention à ça. C'est pas comme une fusée normale. Elles sont là juste pour faire peur aux loups gris. Et donc c'est un peu le problème. Donc il faut y aller équipé. Alors personnellement, moi je passe toujours un bon moment au niveau des loups gris. Parce que bah, arc et flèche, hein, on est très très bon avec ça. Donc il n'y a pas vraiment de problème. J'ai pas envie de te tuer honnêtement. T'es un peu proche. J'ai pas vraiment envie de te tuer. Là, ça va. Donc, c'est pas... Après, c'est pas très très difficile de les tuer. Il suffit de vous placer à... On va dire à un endroit un peu stratégique. Comme si vous étiez en train de combattre un ours, par exemple. Donc, en hauteur, avec peut-être des branches cassées. Vous savez, vous mettez un peu à l'abri et tout ça. Et je dois avouer que... Bon, pour être honnête, l'IA est complètement conne.
Et souvent, en fait, ils vont tout simplement. Pourquoi il s'est arrêté comme ça? Souvent, en fait, ils vont un peu bugger et gogoliser, en fait, sur les différents objets qu'il y a au sol, donc les branches, les cailloux et tout ça. Et du coup, vous pouvez leur tirer dessus assez facilement. Je vais être franc, c'est assez simple. Voilà. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Ça se passe très bien à chaque fois. Mais il faut beaucoup de flèches, parce que en fait ils font que courir partout, c'est très rare qu'ils s'arrêtent. Donc vous allez souvent rater votre tir, donc il faut quand même beaucoup de flèches. Il faut un arc aussi, bien sûr à 100%. Le nôtre il est à 90%, un truc comme ça, donc ça va. Mais voilà, donc il faut être équipé, il faut savoir ce qui nous attend. Ici c'est un très très bon endroit pour les écorces. Ça, on me l'avait dit. Et c'est vrai que quand j'étais sur le chemin de retour, j'en ai trouvé une dizaine, je crois. Donc, très bon endroit pour les écorces. Donc, ouais, les loups gris sont assez intéressants. Les loups gris, on les voit de loin. Ils vont nous voir aussi de loin. Dès que un nous a vus, il va appeler la meute en fait, et la meute va commencer à nous tourner autour. Et la meute va rester, même si vous allez dans un bâtiment, en fait, la meute va rester pendant quelques heures à l'extérieur. Donc vous ne pouvez pas genre rentrer et sortir des bâtiments. C'est une IA, on va dire, un peu plus avancée quand même que l'IA bateau, quoi. Je vais être franc, on est à 44,67. C'est assez. Je vais être franc, j'ai bien envie de manger un truc maintenant. Pour avoir le plus 3. Ok. Fardeau allégé appliqué. Pourquoi c'est en gris? Normalement, ça devrait être en bleu. Donc on a eu ça pendant 3 heures. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup, hein. Mais bon. Ok, let's go. C'était où ça où on se reposait une heure dans le sac de couchage en fait. Mais vu que j'ai un peu envie de. Oh, merde, j'ai pas pris les crampons. J'ai pas mis les crampons. Donc ça c'est con de ma part. Bon, encore heureux qu'on est en descente. Encore heureux qu'on est en descente. Hein. Mais j'ai oublié les crampons, désolé. Erreur bête. Ouais, j'ai pas mis les crampons. C'est pas grave, ça va. Comme j'ai dit, c'est en descente, donc ça va. On va prendre un peu de bois. On a souffert, mais on est encore en pleine forme, ça va. Tu vas être du ravin. Donc là, il y a des objets là-dedans, je crois. Donc, je regarde juste un peu aux alentours. Donc, directement. Donc, le cadavre, il est là-dedans. Ouais. Ah non, ça a été changé, c'est vrai. Ouais, on va le prendre. Ça a été changé, donc c'est de la merde maintenant. Avant, il y avait ici, je crois bien, c'était une caisse pour le fusil de détresse, enfin le pistolet de détresse, pardon. Et ça a été changé. C'est bête. Pourquoi ce changement? Alors là, j'en sais strictement rien. Est-ce qu'on rentrera par là? Je sais plus où va la crique lugubre en fait. C'est Muskeg Morn, je crois. Je crois que c'est Muskeg Morn. L'autre endroit. Je crois que la toute première fois où j'étais allé à la crique lugubre, c'était à Muskeg Morn. Et après j'avais vu qu'il fallait un code et tout ça, je m'étais renseigné en fait. Ou alors on m'avait dit. Je crois, pour trouver le code. Et en fait, il fallait donc passer par là. Maintenant, je le sais. Je vais être honnête, je suis allé à cette zone que seulement une fois, je pense. Vraiment seulement une fois, peut-être. Peut-être deux fois, mais... Mais honnêtement, j'ai un bon souvenir de cette zone. Moi, je l'avais trouvé sympathique. Je l'avais trouvé sympathique, cette zone. Là, on a une grotte.
Ah, j'ai pas de charbon. Pas de charbon, c'est bête. On peut dormir une heure. Alors, la crique lugubre, honnêtement, c'est pas vraiment l'endroit le plus difficile pour trouver abri. Comme j'ai dit, le plus difficile, c'est les combats de... les combats, en fait, avec les gris. On va boire. Ah, je vais pas faire réchauffer encore des trucs, c'est pas grave. Ça, bah, pour le moment, on va pas les utiliser. Ou alors, je mange ça. Ah, quoi, on va manger ça, plutôt. C'est les plus lourds, donc honnêtement, autant les utiliser. J'ai encore combien de temps? Honnêtement, le buff reste pas assez, honnêtement. Genre 3 heures, c'est pas assez. Il devrait faire un minimum de 5 heures, je pense, pour le buff. On a des massettes aussi, mais bon. Après, je vais être franc. Mais j'ai vraiment... Ouais, non, mais j'ai pas de... je vais être franc. On a beaucoup sur nous, on a beaucoup de... de nourriture, on a beaucoup de calories en fait. Comme j'ai dit, hein, j'ai fait exprès de garder sur moi genre les glands... comment ça s'appelle, cuits. Je pense que c'est une des meilleures nourritures que vous pouvez avoir. Point de vue poids et bien sûr calories. Alors là, est-ce que les loups vont nous sentir de loin? Je pense que oui. Hein. À cause de la nourriture. Ça, c'est un problème, ça. Après, par contre, quand vous avez cuisiné niveau 5, bah ici, bah, quand vous combattez des loups gris, en fait, bah, c'est top. Parce que bah, les machins, ils viennent à vous, quoi. Ils viennent complètement à vous. Il y en a plein. Vous avez plein de cadavres de tous les côtés. Donc vous avez jamais de problème de nourriture. Vous avez zéro problème de nourriture. Donc ça, c'est une des bonnes choses. Si je me rappelle bien, c'est par là-bas. Là, il y a des chutes d'eau et tout ça. Vous pouvez visiter. Mais... ah, c'est bête que j'ai pas de... j'ai pas de charbon pour dessiner. Putain, chaque fois je prends du charbon en plus pour partir. Bon, on va aller directement, on va faire... oh, je crois que ça c'est des loups, ça. Et ça c'est des loups gris qui viennent dans ma direction. Je crois qu'ils m'ont flairé déjà. Je serais pas surpris. Mais nous on va aller là directement pour se mettre à l'abri. On va se déplacer sur la gauche, voir si, si on peut pas les éviter. Ouais, vu la direction... ils viennent de changer de direction. Ils viennent sur moi, là. Ça, c'est parce que je sens, je pense. Ça, c'est vraiment embêtant, ça. Vraiment embêtant. Là-bas, on a une grotte aussi, intéressant. Après, peut-être qu'ils font une ronde, hein. Alors, on peut aller voir ce qu'il y a dans la grotte. Sont encore loin. Est-ce qu'on peut se mettre à l'abri là? Ah oui. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Alors, si j'enlève ça... non. Si j'enlève ça... ouais, là, oui. Donc, si je fais ça, on est bon. Ah non, c'est parce qu'ils veulent plus se stacker, en fait. Putain, c'est vraiment chiant. Ouais, c'est vraiment parce qu'ils veulent plus se stacker. En fait, faudrait, si je veux garder ces deux-là, il faudrait que je vire ça. Mais ça fait énormément de calories. Après, est-ce qu'on peut se mettre là et les combattre?
peut-être. Ah, là, j'imagine qu'ils sont ligne droite sur moi. Pas vraiment. Ah si si si. Ah si si si. Ah si, ah si si. Ah si, on est ligne droite là, ligne droite. Là c'est... Ouais, c'est bon, ils m'ont vu. Voilà, maintenant vous avez la barre. Complète ligne droite là. On va voir si je peux rester là. Ok, Eden. Putain de merde. Ok, deux flèches. Faut compter les flèches, hein. Ok, on est bon. Ils sont partis. Hémorragie, vite. Ok, nickel. Ok, 3. Nickel. Mais bon, ils ont une fourrure normale. Je crois qu'ils ont peut-être un... Non, la viande, c'est pareil. J'allais dire, ils ont un peu plus de viande. Non, en fait, non, c'est exactement la même chose. Non, non, c'est juste des loups noirs au final, hein, pour ce qui est des statistiques. Vous avez vu, ils font moins mal, ils font beaucoup moins mal, mais en fait, ils font que vous foncer dessus comme ça. Alors là, maintenant, on devrait plus avoir de meute pendant un moment, et si jamais, on vient de la tuer, la meute, donc elle est en une sorte de cooldown, et si jamais on s'approche d'un loup, il devrait avoir peur maintenant. Ok, donc il y en a un qui est complètement bloqué, j'ai rien dit. Ok, cool. Donc ça a dû changer peut-être. Tu t'es bien pris seul. Ça a peut-être changé. Ça a peut-être changé, maintenant il n'y a plus de cooldown, genre il faut tuer a priori tous les loups. Absolument tous les loups, parce qu'on avait vu qu'il y en avait 3 qui nous tournaient autour la première fois qu'on les a rencontrés. Mais on en a tué 2, puis la chasse en fait s'est arrêtée. Et là il en restait un, enfin 2 même. Je sais pas. Mais moi dans ma mémoire, ils avaient peur en fait au bout d'un moment. Enfin quand vous tuiez une... vous étiez en train de tuer une... Une vague, après ils avaient peur. Bon bah c'est pas grave. Ce n'est point grave. Voilà, si vous êtes équipé, ça passe. Honnêtement, ça passe bien. Comme j'ai dit, ils font pas extrêmement mal. Surtout que nous, on est très très bien équipés niveau résistance. Faut vraiment avoir des vêtements qui font beaucoup de résistance. Par contre, oui, hémorragie et tout ça, ça aussi, donc il nous faut des tissus. Je vais peut-être même en faire plus de dépensements. Là. Il m'en faudrait au moins 5 à tout le temps. Je dirais. 5 tout le temps, ça serait bien. Nous, on veut aller vers la tour. Vous avez vu, on a déjà tué une flèche. Détruit une flèche. Notre arc est à... Notre arc est à 84%. Donc ouais, faut faire gaffe. Je sais pas s'il peut avoir des choses dans les escaliers. Peut-être que je me rappelle avoir trouvé des choses dans les escaliers. Je me rappelle plus. Ah, il nous faudrait vraiment du charbon. J'ai vraiment fait de la merde de pas prendre du charbon avec moi. Vraiment quoi. Alors ici c'est un endroit sympa pour faire une pause.
Ça, c'est des gens qui étudiaient les loups gris. Tasse de tisane, des livres. Tiens, ça, on peut pas le prendre. Qui me tient chaud. Fagotin. Ah, un faitout, ça on prend. Nickel, ça on prend. Voilà, nickel. Putain, c'est bête, ça nous met pas le, la corde en bas, là. Fait chier. Alors, ça, c'est très bon. Pêche. C'est très, très bon. Ça, c'est ce qu'il me faut. Alors, quand on partira, je pense qu'on repassera exactement par le même endroit. Parce que c'est le plus intéressant. Genre, je crois que ça, on va le laisser. Ça aussi. Je dirais que la farine aussi. Parce que la farine, en fait, est vachement lourde. C'est quoi, 1,5 kg, c'est ça? Ouais, c'est 1,5 kg. Ça aussi, c'est lourd. C'est genre 0,50. 0,50. Et ça, j'en ai besoin pour... les pêches pour faire de la nourriture. On a beaucoup d'eau aussi sur nous. Hein. Je suis très très lourd en eau. On a eu un faitout. Alors le faitout, est-ce qu'on le garde sur nous? On est 46-77. On peut dormir à la limite une petite heure. Alors, faut qu'on trouve une corde. Alors, en théorie, si tout va bien, hein, évidemment, comme d'hab, hein, on devrait pouvoir trouver une corde assez facilement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un endroit où on peut placer une corde, il y a toujours une corde, en fait, qui traîne. C'est un peu le jeu qui veut ça. Ici, pour le moment, il n'y a pas de... Ah, attends, peut-être à l'extérieur. Là, voilà, je savais. Putain, mémoire, des fois, hein, qui fonctionne. Hein. Des fois, hein, pas tout le temps, hein, des fois. Très bien. Oh, putain, il est fort. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déposer un peu de nourriture pour qu'on arrête de sentir la barbaque déjà de 1. Et... qu'on soit un peu moins lourd. Parce que de toute façon, je crois qu'on va devoir prendre cette corde. Dans tous les cas, je crois qu'on va devoir la prendre. Si je dis pas de conneries. Prendre la corde après. Honnêtement, s'il existe un mode pour retirer le skin là, de la nourriture dégueulasse, je serais vraiment très heureux parce que c'est honnêtement c'est moche. Et vu que là, cette nourriture là, genre les petits pains et tout ça, elle pourrit ultra méga vite. Honnêtement, ça a aucun sens en fait du coup. Autant ne pas mettre de skins. Enfin, je comprends pourquoi il y a des skins, ça que je veux dire, mais c'est pas élégant en fait. Puis dans l'inventaire, me trimballer tout le temps avec des trucs à 0%, ça aussi c'est con. Il faut vraiment qu'ils changent ça, qu'ils améliorent ça, parce que c'est quand même bien débile. Hein. C'est quand même bien bien con. Alors, là on a un problème. Il fait nuit. On a commencé à faire nuit, mais on a d'autres choses, en fait, à aller voir. Bon, tu vas m'enlever ça. Attends, il y en a deux, là. Ah, maintenant, ça stack. What? Donc, du coup, si je fais ça... Ah oui, maintenant, c'est bon. Mais pourquoi ça stack, maintenant? Oh, ça stack si je l'ai... Ok, faut tous les faire partir, en fait, tous les faire partir, je veux dire, de l'inventaire, en fait.
D'accord. Ah, faut comprendre. Comprendre comment ça marche. Quelle merde. Donc faut tous les déposer par terre en fait. En même temps. Voilà, maintenant je sens plus la barbaque. C'est bien. Alors, est-ce qu'on dort ou pas? On est encore en pleine forme en fait. Je crois qu'on va, on va aller fouiller un peu le, notre... les lieux. Alors ça, je crois qu'on va le laisser là pour le moment. Le fait tout. En plus, c'est lourd. Le livre aussi. On a ça aussi. C'est pas vraiment intéressant. À la limite, on pourra les prendre quand on avancera. Qu'est-ce qui est lourd et qu'on n'en a pas besoin? On va peut-être virer un litre d'eau. Okay. J'ai remarqué aussi, j'ai que 20 allumettes sur moi. Genre à la rivière calme, j'en ai genre 13, je crois, en réserve. Et à l'autoroute côtière, je crois que j'en ai 180. Je crois que j'en ai comme ça. Et quand je suis reparti de l'autoroute côtière, je me suis dit, oh non, j'ai oublié les allumettes. Parce que je voulais en mettre pas mal de côté, en fait, au... à la rivière calme. Non, au lac mystère, pardon. Au lac mystère. Que pour en avoir, en fait, dans ce camp-là. Et du coup, j'ai complètement zappé. Donc, du coup, j'en ai pas. Ouh, on a une aurore boréale. Intéressant. On a un loup à droite. Ah oui, aussi, j'ai trouvé une lampe. Ouais, il a peur. Oui, il a peur. Ça, c'est parce que la meute, elle est en cooldown. J'ai trouvé une lampe. Alors, je sais plus du tout si c'est normal de trouver une lampe torche en intrus. Franchement, je sais plus. Mais on en a une. Ah, j'ai pas regardé mes vêtements, s'ils étaient abîmés ou pas aussi. Mais on en a une. On en a une. Je l'ai trouvé à Milton et je l'ai trouvé dans une caisse et aussi en stream. Hein, je l'ai trouvé. C'était une caisse qu'on avait déjà trouvée à Milton, mais il y a bien longtemps, genre au début qu'on était à Milton. Donc vous vous rappelez au début, la loot table, où il y a tous les objets en fait qui apparaissent et tout ça, était complètement buggée. C'est comme ça qu'on a un couteau par exemple. Donc je suspecte qu'on n'était pas censé avoir une lampe torche, mais on l'avait parce qu'elle avait déjà... genre les loot étaient déjà, on va dire, chargés, j'imagine. Donc ouais. Après peut-être que c'est normal, hein, mais ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. Je pense pas qu'on ait de lampe torche en intrus. Hein. Je l'ai laissé au lac mystère par contre. Hein. C'est 5 kilos. Honnêtement, c'est gadget. Hein. Lampe torche, j'en ai vraiment pas besoin pour survivre. Mais voilà. C'est là, c'est marrant. J'aimerais bien pouvoir trouver des... Parce que techniquement, il nous manque 2 tours. Donc il faut 2 batteries. On en a une à Milton. Mais je voudrais bien en trouver du coup une deuxième ici. Ce serait bien. Ah, une personne m'a dit, parce que quand j'ai parlé du fait qu'il y ait une tour, du coup, au site de désolation, une autre personne, en fait, bah, m'a spoilé, mais sans vraiment le vouloir, mais m'a dit qu'apparemment, ça serait à Blackrock pour la tour, pour la tour qui nous manque. Donc, ouais, si jamais on va à Blackrock, je pense que Blackrock, on va le garder pour la fin. Enfin, pour beaucoup plus tard. Et quand on ira à Blackrock, on essaiera d'y aller avec une batterie et tout. Après Blackrock, il y a beaucoup de vêtements. Oh, so cold. De véhicules. Donc je pense qu'on a une grande chance de trouver une batterie là-bas, mais bon. Donc nous, il nous faut un code. Alors je sais plus si le code il est genre ici ou alors il est dans la tour... Merde, c'est pas ça. Ou alors dans la tour où on était et il faut attendre une aurore boréale pour que l'ordinateur s'allume. Ça je m'en rappelle plus du tout par contre. On va voir. Je pense que c'est juste un papier à trouver. Ah bah c'est ça. Demande d'extraction, loup partout, et du fuir du muskeg et rejoindre la côte, échec de toutes les mesures anti-prédateurs, à court de nourriture, par chercher provisions. Au site en bas de la tour 12, code de porte de sécurité 154, dépêchez-vous, tour de secteur 12, en panne, utilisation à distance pour l'automatiser, menace extrême, prédateur.
Donc voilà. Donc ça, le code, en fait, vous en foutez. Parce que le code sera tapé automatiquement. Il faut absolument trouver le papier, en fait. En gros, faut dire à notre personnage quel est le code. Donc, ouais. Bon, bah, au final, c'est pas... Ouah, une bûche calorifique. T'imagines le pourcentage de chance qu'on a de trouver une bûche calorifique dans... Ça doit être genre 0,0 quelque chose pour cent. Je suis assez étonné de trouver du café là-dedans aussi. Hein. Très très bizarre. Je crois que j'ai jamais trouvé du café comme ça. Le café, c'est dans les cuisines la plupart du temps. Oh, ça c'est bien. Ça c'est peut-être le Rickon, je sais rien. Là, y a rien. C'est pas une grosse aurore boréale encore, parce qu'il n'y a rien qui est allumé à l'intérieur. Elle doit être encore toute jeune, en fait, l'aurore boréale. Alors après, est-ce que ça influe sur les loups gris, l'aurore boréale? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Je crois pas vraiment, en fait. À ma connaissance, non. Je crois qu'ils agissent exactement pareil. Ils font exactement le même, même taux de dégâts. Ils sont aussi vénères que normalement. Je crois pas que ça change quoi que ce soit. Alors après, est-ce qu'ils ont peur de la lumière? Je vais être franc, je dirais que non. Je dirais que non. Le bunker doit être en bas, évidemment. M'étonnerait que ça soit en haut. Nous, on va aller... Oh, on a trouvé un truc. Nous, on va aller là-bas. Et bah, du coup, c'est ça. Par là-bas. Ouais, mais... Tu vas pas me dire que c'est en haut aussi? M'étonnerait quand même. Je pense que ça doit être là-bas, moi. Ouais, non, parce que là, on peut pas vraiment aller sur le côté gauche. C'est bête, parce qu'il y a une aurore borale maintenant, mais... On n'est pas vraiment prêt, en fait. Ouais, non, mais ça doit être en bas, oui, oui, complètement. On va rentrer, on va aller dormir et on va arrêter. On va sprinter le plus possible parce que... Pour nous fatiguer. Faut que je regarde mes vêtements, faut que je fasse des pansements aussi. Je vais être franc. Si vous êtes aussi bien équipé que moi, qui n'ai pas trop de problèmes niveau équipement, c'est plus simple de combattre des loups gris que des loups normaux, en fait. Tiens, on s'avance. Hein. Ouais, mais après, tu veux que j'aille tout à gauche, en fait. Ouais, non, mais je peux pas y aller, là. Faut descendre la corde. Mais en tout cas, on a trouvé, du coup, le bunker. Le bunker serait plutôt de ce côté-là. Genre là, en fait. Ouais, non. Damn, I'm freezing. Ouais, non, quasiment certain. Le seul problème, c'est que si on descend pour rien, ça serait con. Hein. Ça serait vraiment con, hein. Mais ça m'étonnerait. Il n'y a pas vraiment d'espace, en fait, à gauche. Merde, mais j'ai loupé la tour, moi. Complètement loupé la tour, en plus. Tu vois? Ouais, non, 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 il y a rien. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est bien en bas, c'est bien en bas.
Elle est où ma tour? J'ai vu le loup, il a eu peur. Non mais là c'est le bois là. Elle est où ma tour? Putain, je me suis perdu. Ah, elle est là. C'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Putain, j'étais parti sur le côté gauche à cause de la radio. Vous avez vu, le loup, il était fluorescent, donc aurore boréale, mais il a eu peur, donc il est lié, il est plus lié au fait que ça soit une meute que au fait aux effets de l'aurore boréale, en fait. Donc, ouais, ça change rien. Ça change strictement rien. Après, ça, c'était une petite meute hein, qu'on a eu. On a tué 3 loups. Des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, c'est beaucoup plus. Mais faut avoir quand même pas mal de flèches et tout ça. C'est pour ça aussi que ce qu'on va faire le plus important dans cette zone-là, ça va essayer de trouver donc des bois pour faire des arcs et des flèches, les deux, parce que l'arc, il va vite s'épuiser. Et faut absolument, bien sûr, faire des tonnes de flèches, des fûts de flèches, pour pouvoir les remplacer au fur et à mesure qu'on les utilise. On ne peut pas regarder. Donc ouais. Du coup, mes vêtements, je vais voir un peu. Ouais, on est très très bien. Ouais, on est nickel. On est nickel. Comme j'ai dit, on a beaucoup de résistance. On a... là. Protection 40%. Honnêtement, c'est très très élevé. Très 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 élevé. On pourrait pas faire mieux. Je crois que la seule chose qu'on pourrait faire mieux, ce serait... ça, il faudrait le gilet pare-balles de Blackrock. Mais c'est extrêmement lourd. Ça aussi, c'est un truc qui sert un peu à rien, le gilet pare-balles. Parce que, en gros, si vous sortez avec le gilet pare-balles, vous pouvez pas mettre des équipements comme moi j'ai. Parce que c'est trop lourd, en fait. Enfin, c'est des vêtements lourds. Et ça enlève, je crois, genre 10 ou 20% de votre endurance. Donc nous, elle est déjà à moins je sais pas combien. Donc ça serait trop en fait. Donc ouais. Et si vous y allez avec des vêtements légers, le gilet pare-balles, bah du coup bah vous avez froid. Donc honnêtement pour moi je vois pas vraiment l'intérêt du gilet pare-balles. À moins que vous aimez passer votre temps à changer d'équipement tout le temps, pas vraiment intéressant. Le seul équipement qui est potable à changer, c'est ça maintenant. Bien sûr avant on avait le cache-oreille, mais vraiment c'est ça en fait, c'est de faire ça. C'est vraiment de faire ça. Il n'y a pas autre chose. Bon, le café, on va le poser. Qu'est-ce qu'on peut poser de plus? On a une tisane aussi. Je suis en train de réfléchir en fait ce qu'on peut poser pour gagner un peu de poids et tout ça. Parce que de toute façon, comme j'ai dit, on va pas. Quand on va partir, en fait, on va revenir ici. Donc, du coup, pas besoin de tout prendre. Mais je crois qu'on est bon. On est à quoi, 44 kilos. Ouais, ça, parce que ça, on va pas les utiliser. Ça, je les garde de côté, en fait. On peut le lire ou pas? Non, on peut pas le lire. Ça, je les garde de côté, parce qu'on les utilisera sûrement, mais plus tard. Ouais, non, mais on est bien, là. On est bien. Notre poids est potable. La bûche calorifique, à la limite, oui, on s'en fout. Très étrange de trouver une bûche calorifique, je vais être honnête. Extrêmement étrange. Après, on peut faire des allers-retours avec la corde, hein, parce qu'en fait, on a un abri juste à côté de la corde. Donc, à la limite, on s'en fout de faire plusieurs allers-retours et de se fatiguer. On peut toujours dormir ici, en fait. Ça, c'est le bon côté de cette zone-là. C'est de pouvoir dormir juste à côté, en fait. Bon, allez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Prochaine fois, on continuera du coup la crique lugubre. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un endroit plutôt cool. Et on continuera notre exploration. Donc, on descendra là-bas, là.
Et on ira vers, vers ça, là, si vous voyez la lumière. C'est l'endroit qui est assez compliqué avec pas mal de choses. Mais toute la zone, en fait, a beaucoup de petits bâtiments, de petites choses. Il y a beaucoup aussi de ressources à aller récupérer et tout ça. Donc c'est pas mal de faire le tour de la zone. Ça prend du temps, par contre, parce que c'est quand même grand. Et bien sûr, il y a les loups gris, en fait, tout le temps à vos trousses. Donc ça, c'est un peu casse-couille. Mais ça vaut le coup. C'est une bonne zone. C'est une zone plutôt cool. Moi, j'ai toujours bien aimé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.